Bonjour tout le monde, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous partageons, nous signalons notre présence avec les cœurs. Signalons notre présence avec les cœurs, des j'aime, un commentaire, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà debout. Je ne sais pas, je vous lis quelle heure. Mais ici, il est 5h du matin. Il est 5h du matin, donc on se réveille avec la prière. On se réveille en célébrant notre Dieu. Maraboso, Rabochateur. Tel que je suis sur la terre, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, tel que je suis sur la terre, tel que tu es, tel que tu tel que tu parles, tel que je parle sur la terre, tel que tu parles, tel que tu parles, tel que tu vois, tel que je vois sur la terre, tel que tu vois. Yes. Tel que, yes, tel que tu penses, tel que je pense sur la terre, tel que tu penses. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît, pendant que tu es en train de dire à Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est ce que lui-même nous enseigne dans sa parole. Bravo, Chatalabaya. Il est puissant, tu es puissant sur la terre. Il domine au ciel, tu domines sur la terre. C'est ce que la parole nous enseigne. Il est en bonne santé, tu es en bonne santé. Il est toujours joyeux, tu es toujours joyeux. Il est compatissant, tu es compatissant. Il pense grand, tu penses grand. Labosoma Shakarabaya. Tel que tu es, Seigneur, tel que je suis sur la terre. Il est la solution au problème des autres, tu es la solution au problème des autres. Tel qu'il est. Aidez-moi à partager ce direct chez les païens, chez les athées, et qui ne comprennent pas la notion de la divinité. Il n'y a rien de meilleur que la notion de la divinité. Ça veut dire que tu te propulses à faire des choses que naturellement tu ne pouvais pas le faire. C'est ça la notion de la divinité. C'est ça la notion de la divinité. Aidez-moi à partager cela, c'est tous ceux-là qui sont des athées. Je les aime beaucoup. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la notion de la divinité.
désolé, taguer un ami athée, taguer un ami athée. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la notion de la divinité. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de mieux que la notion de la divinité. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'homme dans toute sa puissance. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsqu'on parle de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme selon sa ressemblance. Ça dit déjà long. Si c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui a le pouvoir, il nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes puissants. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. Voilà pourquoi Jésus, après la résurrection, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à la divinité. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Dites-moi, il y a quoi de si mieux? Et la plupart des temps, des gens disent souvent que non, ce sont des histoires, ce n'est pas la vérité. Alors vous pouvez dire que ce sont des histoires à n'importe qui sauf à moi. Parce que j'ai vécu le miracle. À plusieurs reprises, moi. J'ai vécu le miracle à plusieurs reprises. Des endroits où il fallait qu'on puisse m'opérer par la puissance de la prière. Ça a disparu. Alors, parler de tout le monde, sauf de moi. Essayer de convaincre les gens, mais sauf moi, parce que moi-même, je suis l'expérience. Donc, il n'y a rien de mieux que de se référer à Dieu. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas la notion de la divinité. Ou alors, ils enseignent la notion de la divinité, je ne sais pas, d'après des religions. Moi, je ne connais pas trop les histoires des religions. Moi, je parle de la Bible. La seule religion que la Bible m'enseigne dans Jacques, ça consiste à prendre soin des orphelins, prendre soin des nécessiteux et à se préserver du mal. C'est la seule religion que la Bible m'enseigne. Mais la Bible n'est pas que ça. La Bible n'est pas que prendre soin des orphelins. La Bible n'est pas que prendre soin des veuves. La Bible n'est pas juste que se préserver du mal. La Bible, c'est aussi la puissance, le miracle. Oui, et tout cela, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Ça me fait plaisir de savoir où vous êtes connecté, depuis quel pays. Ça me fait tellement plaisir, ça nous fait tellement plaisir de savoir. Bien que je vous vois quand même, je vois quelques photos là-en haut, mais ça fait plaisir de savoir que telle personne est connectée exactement dans tel endroit. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur commence à te bénir. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes samedi, que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je vois Kwame Evariste. Que Dieu te bénisse, Monsieur Kwame Evariste. Je sens la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Rassure-toi que tu as tagué une personne. Une personne peut être bénie par toi. Si tu ne partages pas, il y aura des personnes qui ne seront pas bénies. Alors élève la voix, élevons ensemble la voix, commençons à bénir le Seigneur pour sa présence. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Sa puissance. Rabaroche Adelebos Homo. Ô Dieu, merci pour ta présence et ta puissance. Merci pour ton autorité. Tu as investi ton autorité en nous. Tu as investi ton pouvoir en nous. Tu as investi ta divinité en nous. La Bible nous enseigne que tu nous as créés de la poussière. Mais tu as investi
ton souffle en nous, tu as soufflé la divinité en nous. Tu nous as donné de la valeur. Nous sommes différents des animaux parce que nous avons en nous la divinité. Nous avons en nous la créativité. Père, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom. Sois béni, Seigneur. Toi qui nous as élevés, tu nous as élevés du rang, Seigneur, des créatures, Yahweh, périssables. Mais tu as soufflé sur nous ta vie. Tu as soufflé sur nous ton inspiration. Et mon Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous prions, bien-aimé, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir fait un plus que vainqueur. Merci de m'avoir fait un plus que vainqueur. Je suis un champion. Je suis plus que vainqueur. Malgré ce que je peux traverser, malgré ce que je peux traverser comme situation, je suis un vainqueur. Ô Dieu, je déclare ma victoire encore ce matin. Aucune situation ne me fera dire le contraire. Aucune situation ne me fera dire le contraire. Même si je n'ai pas le travail aujourd'hui, ça n'enlève en rien que je sois un plus que vainqueur. Même si je n'ai pas le travail aujourd'hui, ça n'enlève en rien que je sois un plus que vainqueur. Rabba rabosh atalabayado. Otozu mashatalaba etelevo. Ligozu osh atalabayadelevo. Ô Dieu, je suis un plus que vainqueur. Je suis un champion. Je réussis dans mes entreprises. Yahweh, merci pour cette grâce de réussite sur ma vie. Merci pour cette grâce de percer. Merci pour cette grâce, mon Dieu, mon roi, de vivre et d'expérimenter le miracle. J'expérimente le miracle en permanence. J'expérimente le miracle en permanence. La grâce de Dieu coule à flot dans ma vie. Rabo shatalabaze vos potos. Il est de l'imarabo shatalabaye. La grâce de Dieu coule à flot dans ma vie, dans mes entreprises, dans mon foyer. Ô Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu dis au Seigneur, merci pour la grâce. Ta grâce qui coule à flot. Ta grâce qui coule à flot dans mes activités. Ta grâce qui coule à flot. Bien-aimé, je veux voir quelqu'un prier. J'espère que tu es en train de prier là où tu es. La grâce de Dieu coule à flot au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu coule à flot dans ma vie. Elle brise les limites. Elle brise les condamnations. Elle ôte les réclamations. Rabajate les vos autos. L'iné les bochata la baille. Père, merci pour ta grâce dans mes entreprises. Mon Dieu, merci pour ta grâce dans ma famille. Merci pour ta grâce dans ma maison. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, merci pour ta grâce. Rabojos homos oto. Dans la vie, Seigneur, de ton enfant Kwame Evariste. Merci pour ta grâce dans sa famille. Papa, merci pour ta grâce dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce matin. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Rabocho paradilevos oto. Libos homos atalabai. Mon Dieu, merci pour ta grâce qui enlève des situations compliquées, ta grâce, mon Dieu, qui délivre, ta grâce qui restaure. Ô Dieu, par cette prière matinale, les vies sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Par cette prière matinale, les santé sont rétablies au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, rabos homos atalabayade. Lidebosh atalama somas evete. Ligadozo o shatalama azavate. Lekozo mosh ataliamante ezebo. Rabos o mosh atalabai. Merci pour la grâce dans la vie de Mina. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci mon Dieu pour sa famille. Rabos osh atelende. Mon Dieu, merci papa. Merci parce que tu enlèves les limites. Tu ôtes les limites. Dieu, tu ôtes les limites ce matin. Yahweh, tu ôtes les limites. Tu nous as pas appelés pour une vie bornée. Tu nous as pas appelés pour une vie stagnée. Une vie, mon Dieu, stagnante. Une vie, mon Dieu, sans accomplissement.
Ô Dieu, tu nous as appelés pour expérimenter ta gloire. Tu nous as appelés pour ta gloire. Chatelebos homos atai, rabados homos auto. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu pries maintenant, nous élevons ensemble la voix. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit de l'accomplissement. Remplis-moi de l'esprit de gloire. Remplis-moi de l'esprit de victoire. Ce matin, élève la voix et prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, que je sois rempli. Que je sois rempli, rempli, rempli de la puissance. Esprit de Dieu, que je sois rempli de l'autorité. Que je sois rempli, Seigneur, de l'onction. Esprit de Dieu, que je sois rempli de la grâce. Radebosh atenevos homo. Lidera paradosh abadem. Ligosomos homos atabai. Lidebosh antalabai delevos otom. Kaba itere mosh atalabai. Rababa barados homos ater. Liga des osos et liamante. Rabos oshos ivete. Iriga barados ata. Lekozo homos oto. Je veux être rempli ce matin. Rempli de la puissance. Rempli de l'autorité. Rempli, mon Dieu, de l'esprit de victoire. Rempli de l'esprit d'accomplissement. Tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit d'accomplissement, l'esprit d'achèvement. Je ne veux pas commencer quelque chose pour ne pas l'achever. Je ne veux pas commencer un projet pour ne pas l'achever. Esprit de Dieu, que je sois rempli ce matin. Que je sois rempli ce matin. Élève la voix au nom de Jésus. Que mes projets aboutissent. Que mes projets aboutissent. Chadelemos homos avai. Je veux l'esprit d'accomplissement dans ma vie. L'esprit d'accomplissement. L'esprit, mon Dieu, d'acheminement. D'achèvement au nom de Jésus-Christ. Fulfillment esprit. Fulfillment spirit. In the name of Jesus Christ. L'esprit, mon Dieu, d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Rabos homos homos eter. Que mes projets aboutissent. Que mes projets, mon Dieu, ne stagnent plus. Papa, ce matin, je déclare au nom de Jésus que mes projets ne stagnent plus. Que mes projets ne stagnent plus. Je veux aboutir. Aboutir à la réalisation de tous mes projets. Au nom de Jésus, esprit d'accomplissement, remplis-moi ce matin. Esprit d'accomplissement, remplis-moi ce matin. Remplis le bien-aimé Évariste. Au nom de Jésus-Christ, remplis, ô Dieu, remplis Emmanuel, remplis Mina, l'adabarodos opachatalabai. Il est dos homos atalabai, rigabos homos ater. Kalideremos omosh atalabai. Irodobos omosh atalabai. Rababali gevezos oto. Lindele karzabas oshatai. Lindele malabas supa aradezevo. Ikontozuma shatalabaya. Rabozo oshatelede. Ladezu os evetika paranazomosh atai. Intalabazevos o. Eri de le bachata la baya. Radaba anozos ote. Esprit d'accomplissement. Esprit de réalisation. Esprit de grande réalisation. Esprit de grande réalisation. Je veux être animé de cet esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux être animé de cet esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Rabazo osupalanabaya. Je veux être animé de cet esprit ce matin. Je veux accomplir, aboutir, aboutir, aboutir à tous mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Lekozo parabazabate. Imantalabashataraba. Lekozo mosomo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, localise ma maison par des surprises agréables.
Esprit de Dieu, localise ma maison, pas de surprise agréable. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Il connaît qu'est-ce que Dieu veut faire. Il connaît qu'est-ce que Dieu veut opérer. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, localise ma maison, localise mon entreprise, par des surprises agréables. Localise ma maison, localise ma famille, localise mon entreprise, localise mon ministère, par des surprises agréables. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Chatele barriados homo. Élève la voix et prie au nom de Jésus. La cosomos amantele dele chatai. Je veux des surprises agréables. Des surprises agréables. Au nom de Jésus-Christ. Des surprises agréables. Rade cosos eves eteliamai. Ishotele mo. Ledos homo. Ô Dieu. Ô Dieu, ô Dieu, rabale kazaba chatalabai, localise-moi ce matin par des surprises agréables. Localise ma famille par des surprises agréables. Localise mon ministère par des surprises agréables. Localise, Seigneur, ma maison par des surprises agréables. Ô Dieu, je veux être localisé. Je refuse les mauvais appels. Je refuse les mauvais appels. Au nom de Jésus-Christ, je refuse les appels qui vont me rendre triste. Je refuse cela. Je commence à les refuser depuis leur source. Je les refuse depuis leur source. Et j'accepte des appels, des surprises agréables. J'accepte des surprises agréables. J'invoque l'esprit des surprises agréables. J'invoque l'esprit de surprise agréable dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'esprit de surprise agréable dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est louable, tout ce qui est célébrable, que cela soit mon partage, ce matin, au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui est agréable, les homos abater. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, tout ce qui est célébrable, cela est mon partage au nom de Jésus. Cela est mon partage au nom de Jésus. Radabazovos etaki parabazevante. Intolia barabashatalaba ezeve. Rabazo osikariantalabaya. Ishatele marabazomos homo. Esprit des surprises agréables, des surprises financières, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est toi qui décides. J'ai dit souvent, c'est toi qui décides de ce que tu veux voir ta vie. C'est toi qui décides avant le lever du soleil. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Tu déclares, ô Dieu, je veux les surprises agréables. Je ne veux pas des appels que telle personne est tombée, telle personne a fait accident, telle personne est morte. Je refuse cela depuis la source. Ça veut dire que tu t'opposes déjà aux esprits d'accident. Tu t'opposes déjà aux esprits d'incident. Tu veux des appels de joie, des appels de réjouissance. Tu pries, tu dis, Seigneur, ce matin, j'invoque l'esprit des surprises agréables. J'invoque et j'estagne, je stoppe. Je stoppe tout ce qui est surprise et désagréable. Tout ce qui peut être sujet de lamentation. Je stoppe cela au nom de Jésus-Christ. Je veux des appels d'entrée financière, au nom de Jésus. Des appels des entrées financières, au nom de Jésus. Des appels de promotion, au nom de Jésus. Marabazos et Evaliazos étaient Rabazos Amanchatalamaya, qui mandele vos opaïa, Rabarojeves Iteliamate. Des appels. Les kozo os avateliamashatalabai. Intalamandele kozo.
Rabandele vos ushatalama ezeyavalo. O satalika paranaya. Les ou os anteleva shatalabai. Lindele vos auto. Esprit d'accomplissement, esprit de surprise agréable, esprit de progrès dans la vie de Germaine, au nom de Jésus-Christ. Quand je prie pour Germaine, je vois barrière, que toute barrière qui t'empêche d'avancer puisse tomber ce matin. Au nom de Jésus, toute barrière qui t'empêche d'avancer, tombe au nom de Jésus. Rabazomos avater, iliga paradosh atalamai, o sadalamai, esprit d'accomplissement, tout ce que je commence, je l'achève avec succès. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui a des dossiers bloqués. Ce dossier est débloqué maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a des dossiers bloqués. Mais je déclare que ce dossier est débloqué maintenant au nom de Jésus. Comme tu te connectes par cette prière, ton dossier est débloqué. Rabazavash atalamayadem. Ki parabazos etem. Ton dossier est débloqué. Qui parabazos atalabai, qui l'aidelosos amashatai, rababarozobos ote, l'intarabashatalabai, l'ekozu omos antai, rabaraba atelebos shatai, ligadelemos omos atai, linelevos omos atai, rababarozebes ete, lindorobos atai, esi parabandele kazai, ondalabai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu dis, Seigneur, je déclare, je me sépare de l'esprit de peur. Je me sépare de tout esprit de peur. Tout esprit de peur. La Bible dit dans Deutéronome 7, verset 18, ne les crains point, rappelle-toi. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir. Je crois que c'est hier que j'ai partagé avec vous une vidéo, une petite vidéo, où j'ai exhorté que c'est pas parce que tu es en train de faire face aux défis que tu peux pas les remporter. Rappelle-toi dans le passé, tu as eu à remporter des défis. Et la Bible dit, rappelle-toi. C'est Dieu qui parle. Il dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait avec Pharaon. En Égypte, ne les crains point. N'aie pas peur de ce que tu traverses maintenant. N'aie pas peur de cette situation. Voilà pourquoi tu pries. Tu dis, Seigneur, ce matin, je me sépare avec la peur. Je me sépare avec tout esprit de peur. L'esprit de peur. Je refuse de paniquer. Élève la voix. Commence à te séparer de la peur de jouer, la peur de ne pas travailler, la peur de ne pas t'en sortir. Je me sépare avec cet esprit au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Chori d'Araba Sovas Amashate, Ligazos Omosh Atalabai, Karidelebos Omosh Atalabai, Rabos Omos Evekepai. Chele de le balaba, zomos omosh atai, ligado zomosh atai, ridebos omosh atai. Je me sépare avec la peur, je me sépare avec la peur, je me sépare au nom de Jésus-Christ. Rabazos osetelede, ondolobos sabai. De la même manière, ce qui est arrivé au Pharaon arrivera encore. Ce qui est arrivé à Goliath arrivera encore au nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé dans la fournaise ardente, ça va encore arriver au nom de Jésus. Je n'aurai pas peur du lion. Ce qui est arrivé dans la fosse au lion arrivera encore au nom de Jésus-Christ. Je refuse la peur.
Je refuse la peur dans mes entreprises. Je refuse la peur dans mon ministère. Je refuse la peur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu dis, Seigneur, maintenant, j'invoque l'esprit du miracle dans tout ce que je veux faire. Miracle prodige dans tout ce que je veux faire. J'invoque l'esprit du miracle. Bien-aimé, tu as besoin du miracle. Même Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'une des premières choses que Jésus a dit par rapport à notre foi, c'est de vivre les miracles. Commence à déclarer le miracle. Au nom de Jésus, déclare le miracle sur ta destinée. Déclare le miracle dans ta maison. Déclare le miracle dans tes activités. Le miracle, ça veut dire la main surnaturelle. La main surnaturelle qui amène des choses qui font, qui amène à l'admiration étonnante. La main surnaturelle de Dieu déclare le miracle au nom de Jésus-Christ. La bosse au machata la baya. Qui mata la baya. Père, je déclare le miracle dans la vie de Berlin. Au nom de Jésus. Je déclare le miracle dans la vie de Berlin. Au nom de Jésus. Je déclare le miracle dans la vie, Yahweh de Kwame Evariste, au nom puissant de Jésus. Miracle financier dans leur projet, au nom puissant de Jésus. Esprit du miracle, localise tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui prient maintenant, tous ceux-là même qui ne commentent pas, tous ceux-là même seulement qui observent. Miracle soit localisé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Esprit du miracle, l'ego suparabashate liabate, otozumantalabashate, rabozomos amantelede. Au nom de Jésus, nous allons expérimenter ce miracle. Nous allons expérimenter ce miracle. Labashata laba andelevos opai. Elodo shata la mayade, l'ikozo oparabazabate, l'ikariamashatelemo, rabamai. Miracle prodige au nom de Jésus-Christ dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Miracle prodige dans la vie de tous mes fils et filles spirituels. Miracle prodige au nom de Jésus. Aucune autre expérience si ce n'est miracle et prodige. Aucune autre expérience si ce n'est miracle et prodige. Dans leurs entreprises, Père, je déclare miracle et prodige. Dans leur foyer, miracle et prodige. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tout cela qu'ils veulent, mon Dieu, le miracle de l'enfantement, qu'ils le reçoivent maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils veulent, le miracle financier, qu'ils le reçoivent maintenant. Au nom de Jésus, je déclare miracle, brisement des barrières, tout ce qui était barrière, les crossopayadai. Tout ce qui était barrière pour empêcher le miracle, que ces barrières tombent, que ces barrières tombent au nom de Jésus, que ces barrières soient renversées au nom de Jésus-Christ. Ils vont vivre le miracle dans leur foyer, vivre le miracle, rabazos auto, dans leur corps, dans leur santé, au nom de Jésus-Christ. Miracle, 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 miracle. Rabazosos était esprit de miracle, ladrusos amachate, sature, sature, remplis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas de yeux, Yahweh qui retrouve la vue au nom de Jésus. Ceux qui n'entendent pas, qui recouvrent, mon Dieu, leur ouïe au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des miracles, opère, opère, opère un miracle en leur faveur. Dieu des miracles, opère, il n'y a pas de distance avec toi. J'invoque le miracle, miracle et prodige dans leurs finances, miracle et prodige. Au nom de Jésus-Christ, dans leurs finances, miracle, dans leur profession, miracle, au nom de Jésus-Christ, dans leur foyer, miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le miracle te sorte des situations compliquées. C'est par les miracles, c'est par le miracle, l'opération des miracles que tu sors des situations compliquées.
Et je vais déclarer, ce matin tu sors des situations compliquées. Je déclare cela dans la vie de tous ceux qui ont partagé, surtout. Parce que vous voyez comment nous sommes très peu, n'est-ce pas? C'est parce que vous ne partagez pas assez. Alors que nous avons des groupes. Nous avons des groupes. Nous avons peut-être même 7 groupes, voire même plus. Mais 7 groupes, surtout des prières, qui vous empêchent de partager là-bas. Ce sont nos propres groupes. Ces groupes ont été créés pour la prière. Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi tu ne partages pas sur Glody au Fête et Ministry? Pourquoi tu ne partages pas sur Pasteur Glody? Pourquoi tu ne partages pas sur Prière de combat? Pourquoi tu ne partages pas sur Prière prophétique? Il y a tellement de groupes que nous avons créés pour la prière. Pour la prière. Mais vous ne partagez pas. Je ne te demande même pas d'aller partager dans les groupes d'autrui. Partage dans nos propres groupes. Vous ne partagez pas. Chadelebos omandelebas apayade. Lidebos omashata. Le miracle ne va pas m'échapper au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le merci, Père. Les crozou palamantelebos oba. Je vais vivre ce miracle. Nous allons vivre ce miracle. Nous allons vivre ce miracle. Ce mois était le mois du miracle. Et nous allons vivre. Ce mois est le mois du miracle. Nous allons vivre ce miracle dans cette deuxième moitié. Miracle dans tous les coups au nom de Jésus-Christ. Miracle dans tous les coups au nom de Jésus. Miracle dans tous les coups au nom puissant de Jésus-Christ. Rabozo pa atelebe. Iride bachata labai. Lekozo ozemante. Rabarabalabasete. Ô Dieu, élève la voix maintenant. Tu dis, ô Dieu, sors-moi des situations compliquées. Il y a des situations compliquées. Tu ne sais pas qui va me sortir de là. Il n'y a que l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est notre aide. Tu dis, ô Dieu, sors-moi des situations compliquées. Sors-moi des situations compliquées. Ô Dieu, sors-moi des situations compliquées. Des maladies compliquées. Qui va te sortir du cancer si ce n'est pas Dieu? Qui va te sortir des infections si ce n'est pas Dieu? Qui peut te sortir de la misère, de la stagnation si ce n'est pas Dieu? Tu dis, ô Dieu, sors-moi des situations compliquées. Qui peut te sortir du chômage? Qui peut créer? Qui peut faire cela? Ce n'est pas parce que tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu es paresseuse, mais il y a des situations vraiment compliquées. Tu dis, oh Dieu, ce matin, sors-moi des situations compliquées. Sors-moi des situations compliquées. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, sors-moi des situations compliquées. Sors ma famille des situations compliquées. Jésus, sors ma famille, sors ma maison, sors mes enfants des situations compliquées. Ô Dieu, sors mes enfants des situations compliquées. Délivre mes enfants des situations compliquées. La bouche à ta la baya zébadem. L'idaraba soma. Délivre mes fils, délivre mes filles des situations compliquées. Du célibat, délivre Seigneur. Du chômage, Seigneur. Délivre. Ô Dieu, sors-moi des situations compliquées. Là-bas. La Bible dit, quand tu as fait sortir l'Égypte, mon Dieu, tu as fait sortir Israël de l'Égypte. Rabba, sopa, aliantelede. Yahweh, c'était une situation compliquée pour eux. Une situation compliquée. Comment tout un peuple peut être sous l'esclavage pendant des années comme ça? Il n'y avait que toi pour les sortir de cette situation. Voici, je viens prier. Dieu, sors ce peuple des situations compliquées, des maladies, des complications diverses. Sors-nous des situations compliquées au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Les karabazos obosh atalabaya, kali delebos omosh ateleder, labos omosh atalaba itelevos omo. Rabarados o shatali ke palia zeves etai. Ligodorumush atalabaya sete. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cette prière matinale. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence.
Merci pour ton amour. Merci Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, mon Dieu, pour tous ceux qui étaient connectés. Nous bénissons ton nom, mon Dieu, parce que tu as exaucé. Nous bénissons ton nom parce que ton ciel a été ouvert. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vois que le Cameroun était connecté. La Côte d'Ivoire est connectée. J'ai vu l'Algérie aussi connectée. Et d'autres pays, je ne sais pas trop. Que Dieu te bénisse. Si je n'ai pas cité ton pays, tu peux le faire rapidement. Si je n'ai pas cité ton pays, tu peux le faire rapidement. Tu peux le faire rapidement. Si j'ai pas cité ton pays, tu peux le faire rapidement. Est-ce que vous savez, c'est comme si les pages, certaines pages sont devenues très restreintes. Donc, lorsqu'on vous demande de partager, c'est de nous aider, si peut-être cela ne vous intéresse pas vraiment, c'est de nous aider à propulser la présence de Dieu partout. Parce que ce que nous faisons, nous pensons que c'est pour bénir les personnes. Nous ne sommes pas là pour pervertir les gens. Nous ne sommes pas là aussi pour vendre le rêve aux gens. Nous sommes là pour communiquer simplement la présence de Dieu. Simplement. Vous allez voir les pages là où on pervertit les gens, là où on parle de n'importe quoi. Les gens partagent, les gens partagent, les gens partagent. Des millions de vues. Des millions de vues. Des pages où on ne dit rien d'édifiant. La plupart des temps. C'est la raison pour laquelle nous créons toutes ces plateformes. Toutes ces plateformes. Vraiment, je vous assure, ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais nous le faisons parce que nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Nous n'avons pas commencé par Internet. Nous n'avons pas commencé par Internet, tout ce que nous faisons là. Ça n'a pas commencé juste par Internet. Nous avons commencé en famille. Partager la parole de Dieu en famille, avec nos frères, avec nos soeurs, avec nos parents. Donc je veux profiter un peu pour essayer de dire la raison pour laquelle nous sommes en ligne. On ne le dit pas tout le temps, mais je vais quand même essayer. Nous n'avons pas commencé cela juste en prenant Facebook. D'ailleurs même, personnellement, moi je n'aimais pas Facebook. Je n'aimais pas aucun réseau social. Aucun réseau social ne m'intéressait quand c'est venu là. On a commencé par partager en famille, partager à l'école, en classe. On était peut-être timide, mais lorsqu'il s'agissait de prêcher la parole, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est aussi ça le Saint-Esprit. On prêchait à tout le monde. Parfois même voir les enseignants. Quand on a l'occasion, on ne rate pas cela. Par tous les moyens. On le faisait dans des groupes d'église. On le faisait de porte à porte. En groupe comme individuellement. Aller prier, prêcher Christ de porte à porte. Là, je parle du show Cameroun. Tout jeune. Il dit, en groupe comme individuellement, de porte à porte. Je toque seul. Vous imaginez?
Vous imaginez? On le faisait. Dans les pays même où on interdit de prêcher, on le faisait. On le faisait. Que ce soit dans un lieu dédié au culte, tout comme dans un lieu qui n'a rien à voir, dans les bus, à l'école, à l'université, on le faisait. À l'université, là où c'est interdit de prêcher, on le faisait. On ne ratait aucune occasion. Aucune occasion. Et jusqu'aujourd'hui, ou grâce à Internet, vu, n'est-ce pas, son ampleur, et on n'a pas eu tort. Le Seigneur n'a pas eu tort de nous inspirer cela. Parce qu'on touche encore plus de monde qu'on le fait par Internet. On crée des forums, matin, midi, soir. On est consacré à cela à 100%. Cette même énergie, on peut le faire aussi pour des coachings, comme vous voyez les autres le faire, pour des coachings pour d'autres domaines. On peut aussi, mais lorsqu'on le fait pour, je ne veux même pas d'abord dire pour Dieu, pour vous, pour nous tous, parce que Dieu n'a pas de problème, c'est nous qui avons des problèmes, c'est nous qui sommes dans les blocages, Dieu n'est pas dans les blocages. La moindre des choses qu'on vous demande souvent, c'est juste de partager. Parce que lorsqu'on partage, ça nous permet quand même de voir que oui, on progresse au fur et à mesure. On n'a pas de subvention d'une personne. Personne, ça n'existe pas. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Et c'est simple. Partager dans nos forums même. On ne vous demande pas d'aller partager ailleurs. Dans nos forums. Je le remarque très, très peu de personnes qui le font. Alors qu'on a des forums, pas des forums de personnes, nos propres forums. Je remarque très peu de personnes le faire. Pour ne même pas dire aux 3 personnes. Que Dieu nous aide. Et je profite aussi ce matin pour t'interpeller toi également à prêcher Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Prêche Christ. Prêche Christ. Je dis souvent, si tu as des questions, il faut les poser. Ne sois pas juste imbi de toi-même. Les gens sont maintenant trop imbi d'eux-mêmes. Imbi de leur propre personne. Mon mariage, mon voyage, mon. Tu auras tout ça. Mais est-ce que tu peux aussi penser à être une bénédiction pour plusieurs? C'est même ça la vraie bénédiction. Donc que le Seigneur te bénisse, surtout pour toi qui as suivi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom et bonne suite de la journée. Que cette journée te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.